Kenosha, dans le Wisconsin, aux États-Unis, a été le théâtre d'une troisième nuit d'émeute alors que Jacob Blake, l'Afro-Américain sur lequel un policier a tiré à 7 reprises, est paralysé selon l'avocat de la famille. Une nouvelle qui n'apaise en rien la colère des centaines de personnes qui sont descendues dans les rues. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence après avoir appelé au calme. Lors d'un point presse, l'avocat de Jacob Blake, blessé devant ses enfants, a expliqué que l'homme de 29 ans avait dû subir plusieurs opérations. Ce sera un miracle pour Jacob Blake Jr. s'il remarche un jour. Sa colonne vertébrale a été touchée, de même que des organes internes. Ces 7 coups de feu à bout portant incompréhensibles ont ravivé le combat Black Lives Matter dans différentes villes américaines. La famille Blake va porter plainte contre le département de la police. Elle demande l'arrestation du policier qui a tiré et le licenciement des autres. Mais lors du point presse, la mère de Jacob Blake a appelé à l'apaisement. Si Jacob savait ce qui se passait, jusqu'où cela va, la violence, les destructions, il aurait été très mécontent. À tous les policiers, je prie pour vous et pour vos familles. Mardi, tout un quartier était bouclé alors que l'air était empli de fumée. Le dernier bilan des émeutes de Kenosha faisait état de 34 départs de feu et d'une trentaine de commerces et habitations endommagés, selon les pompiers.